Je nous tout te connaît, il y a au moins 10 000 Haïtiens qui étaient entassés en bas au pont dans Texas aux États-Unis. Les États-Unis lui-même qui étaient décidé voyer moun sa yo retourner la caillou, c'est pas seul Haïtien, il y a un paquet là-dedans et bien qui c'est hispanique et qui sorti dans Amérique latine. Il y a plus passé 4 avions qui ont atterri déjà dans l'aéroport Toussaint Louverture, yon manière pour qu'avin déposer migrants si la yo. République d'Haïti te promet yon somme de $100 américains, yon manière le yon te fait atterri dans le pays ya, puis yon ta capable subvenir ensemble avec besoin yon. Déportation massive ça prouve encore une autre fois que les États-Unis lui-même y continuent à goumer une manière pour discipline qu'à respecter sous territoire lien et surtout pour haïtiens eux-mêmes yo ka manye prend conscience que ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti comme crise c'est nous-mêmes encore haïtiens qui pour arriver résoudre crise si là. Les États-Unis lui-même li décidé nan moment assoupli déportation si la yo puisque li décidé voyer la main bay kek nan moun sa yo surtout célibataire qui adulte yo ensemble avec ti moun qui accompagné yo yo manye la pou yo capable jwenn asile nan pays États-Unis. Bon côté parle, Mexique lui-même li ouvri deux bras, yo manière pour li capable accueillir haïtien sa yo qui déshérité, mais si et seulement si yo même yo arrivé respecter les lois mexicaines. Rassemblement des jovenelistes pour la démocratie et mais yo arrivé accusé Ariel Henry comme quoi c'est lui-même qui t'a menacé Claude Bedford ensemble avec ancien ministre justice là Rockefeller Vincent. Il y a plus passé 4 numéros de téléphone qui mettaient à disponibilité population. Yo manière là puis on connaît exactement qui numéro que Joseph Félix Badiou lui-même était arrivé utiliser pour te passer appel qui te gain ah ouais ensemble avec assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. C'est toute information ça yo avec divers slots qui a fait essentiel actualité à jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur chaîne Information Nouan, TAC Info Plus. Encore une autre fois, nous comptons rentrer la caillou et ses amis nous, Fabula Jean-Chol, qui viennent servir nous aujourd'hui. Rubrique Information Nouan pour commencer dans quelques secondes. Les États-Unis, dans le moment, décident d'assouplir série de déportations liées. Nous pas appeler ça déportation, mais appeler ça expulsion sommaire, puisque par une pièce loi qui t'a permettre administration Biden-Harris là, pour l'État agir, Jean-Liap agit actuellement là, ensemble avec Haïtien Nouyo. Plusieurs gros têtes dans l'administration Biden, quelques policiers et journalistes tout, et mes sentis frustrés par rapport ensemble avec des images qui t'a circulé sur les réseaux sociaux, côté plusieurs hommes qui à cheval, et mais qui a essayé repousser quelques haïtiens qui en dans yon rivière, et administration Biden n'a fait qu'on est que li pral prend mesure pour li ka aider moun sa yo, et bien prend conscience que acte inhumé ça que opposé à eh bien li pas supposé refaite encore. Nan moment administration tout décidé assoupli déportation si la yo côté li décidé aider quelques moun rete nan pays États-Unis jusqu'à ce que yo passe devant un juge immigration. Moun si la ki gen chance yo, c'est ti moun ki gen yon grand moun accompagné yo ensemble avec célibataire ki gen ti moun ki pa gen papa nan men yo ou du moins ki pa gen maman nan men yo. On paquet haïtien décidé, yo di yo pa fait qualité route ça encore et dépenser pile comme ça, yo manière pour prendre en qualité humiliation parce que selon la plupart nan yo, les arrivé côté yo te aliya et bien yo pa ba au côté pour yo dormi, yo pa baigné, yo pa bossé et yo pa même presque manger qui donc situation vraiment compliquée pour yo. Si pour quelque li comme ça, et bien pour quelque l'autre, yo content que administration Biden Harris là et bien décider offrir yo yon exil si et seulement si yo gagne de bonnes raisons pour yo ta quitter pays d'Haïti. Gen plusieurs là dedans qui t'a manifesté contentement yo, et bien n'a bon tendé et puis n'a tourné. Difficile, mais oui. Quand même. Dis-moi comment tu as toujours dit aux États-Unis finalement. Je dis à nous sentir bien parce que nous avons un peu de jeunes out là, un peu de fatigue, un peu de bagaille qui arrive. Mais bon Dieu fait nous arriver quand même. D'accord. Avec bon Dieu, on est tout bien facile. Merci. Merci un peu.
OK. Oui. Et on sent oui. Aux États-Unis aujourd'hui. Moi même senti avec une joie mais en même temps j'ai un pile regret parce que j'ai un pile frère nous, j'ai un pile haïtien qui en bas pour Texas là situation pas fin trop bon moi même. Il va jouer un logement social, il va jouer manger. Et c'est vraiment interdit. Il ne peut pas acheter sur la frontière Mexique. Là. Et Mounsao, c'est sous carton, Mounsao couché sous toile. C'est dans un poussé. C'est une situation qui est vraiment difficile. Mais grâce à bon Dieu que nous arrivons là, nous disons bon Dieu merci. Parce que nous sommes dans un moment PPC qui était pire en gens difficile. Là. Mais on fait un message là-bas. Pour autorité nous attendre misère qui n'a pas passé dans l'autre côté de même yo même si il y a un arrangement qui a fait pour nous puis yo choisi et c'est fait parce que imaginons l'homme qui dépense 4 à 5 000 dollars pour prendre route ça pour arriver en bas pour ça il pas un bout donc quoi qui n'amène il pas rien pour manger pas rien pour boire et ça que blanc au bas ouais c'est un petit bouteille d'eau avec un petit pain tranché qui compte pas dedans mais il pas suffit. Grand pile haïtien commencé des déshydratés. Fait message là passé pour l'autre monde connaît comment que yo capable parler avec droits humains pour aider mon situation vraiment chaotique parce que moi je parler comme là. Bon, moi même on parler dans Floride. Et là organisation et famille. Bon, c'est là que madame une famille moi même tout une famille tout. Et madame moi voilà. Oui oui, vraiment Dieu merci pour intervention. Principalement, j'ai envie de parler pour moi. Oui. Mais par rapport avec l'autre frère, c'est une situation difficile. D'accord. Parce qu'il n'y a rien pour le coucher. Pour nous chercher noir, ça y est, j'étais fait. C'est lui-même qui fait 1, 2, 5, 6 jours sur lui, 7 jours sur lui. Et l'espace là, il y a un pile poussé. Mes amis, s'il vous plaît, un pile mais chai par lui. Ça qu'on fait un message d'arriver plus loin, et c'est fait. Peut-être les gens qui concernent, ils attendent. Et si il y a des gens qui connaissent des familles, tout qui sont en route là. Pas faire négligence mes amis les moun yo di bay numéro wa fun bay moun c'est adresse là et les moun nan li rele famille nan pas prend boîte téléphone nan ça a vinn cause ou déporter moun sa ali okay. Moun nan c'est nan 5 6 ans pour faire un petit cobion 6000 dollars Chili ou bien Brésil pour vinn prend route là li fin gen confiance nan ou même or et les bureau immigration lo ou pas prend appel là et là sou pas prendre y a déporter moun sa ali. Les amis, on fait un message à passer en pile, mais chai palou. Si je ne sais pas, il y a des raisons qui personnelles. Pas de temps pour moi, non? Mais fais un message à passer, s'il vous plaît. D'accord, merci. Non, pas M. Wadley. Je suis sorti de Chili, je suis monté au Mexique, je suis dans un paquet de pays. J'aime tout le monde là. Et c'est un contre-amité lié. Et destination, c'est arrivé aux États-Unis. Et normalement, nous là. Et m'a souhaité tout le monde qui est en route bonne chance. Et puis, malheureusement, il y a eu des déportations faites, mais il y a eu des gens qui sorti. Alors, racontez-nous, qui a fait ça? Qui a fait ça? Parce qu'en plus, on comprend que depuis que vous prenez nous, vous retournez après en Haïti. Et nous-mêmes, nous sommes dehors. Qui a racontez-nous. Normalement, il y a comme ça. Et comment il y a des gens qui viennent, qui ne viennent pas préparer. Il y a des gens qui tout, c'est côté au rivière, ils ont comporté tête tout. Gen yo gou menan se l'île des fois yo mette moun yo en côté yo ba tout ça au besoin yo ba yo gou men pour on série de bagaille ou connait haïtien et puis des fois ou déporter tout parce que des gou men entre ensemble avec même moun qui ensemble voilà et y a déporter et comme ça les grand pile moun tout c'est famille yo tout qui pas prend appel les famille yo pa ba au direction yo ba au mauvais adresse et puis grand pile là tout même parce que comme ça yo déporter parce que moi même parler avec des soldats tout me parler espagnol même l'anglais va fin correct. Je parle espagnol et je parle ensemble avec soldats et puis les militaires qui sont en frontière. Tout le dit c'est comme ça processus là et de vous arriver là ce bail familial lié le soldat là ou gain plus chance ou gain plus chance pour déporter de pour en famille ou gain plus chance pour passer donc vous même en famille. Oui, ma famille avec madame petite moi petite bien voilà un seul petit vous seul petit. Oui, c'est moi le soldat avec au Chili en Chili il fait Chili. Oui. Alors racontez-nous qui Jean bail là parce que aujourd'hui a les yo vini faire appel vini reler nous comment nous te sentir normalement yo bay chaque moun yon ticket a autant de numéro pa ou là on te donne numéro pa menan et puis ça me fait 3 jours et nan frontière et puis après ça reler numéro pa menan yo reler hier et moi li te anti janta et moun yo gen été fatigué parce que yo te recevoir en pile moun
Et puis matin là, il a gagné nous. Il a gagné les familles acheter des tickets online pour moi. Là, déplacer, je vais déplacer là. Et quand on va aller, on va aller. Non, je vais tout prêt à la Texas parce que je suis un grand homme qui a vécu Texas. Vous voulez rappeler et respecter la voix de l'Amérique? Non. Et non, pas c'est voix de l'Aristide. Je suis tabac, mais je suis vivre au Chili. Merci la voix de l'Amérique. La voix de l'Amérique, vous merci. Merci un peu. Merci un peu. Bonne chance. Merci, frère. Dans le pays d'Haïti, le Premier ministre Ariel Henry lui-même a fait connaître que normalement, il y a toute disposition qui commence à prendre une manière pour être capable d'aider les gens à même réorganiser dans le pays d'Haïti. Et il y a quelques promesses qui ont été faites pour 10 000 gouttes qui ont été faites chaque Haïtien qui arrive déporté, une manière pour être capable de subvenir à quelques besoins pendant 2 ou bien 3 jours parce que 10 000 gouttes actuellement là en Haïti, il n'est pas capable vraiment faire grand chose pour yon moun ki passe tout temps ça et dépense tout l'argent ça yon manière pour l'état débarquer États-Unis. Et bien, le premier jour, selon ça nous informé, nous connaît, et bien, yon arrivé by moun sa yon 5000 goud, et deuxième jour, yon te arrivé by yon 1500 goud, alors te gen yon promesse de 10000 goud, et bien, yon te fait ensemble avec moun sa yon, yon manière pour yon ta capable avancer et retourner la kayo si te gen pour prendre machine, yon manière pour yon ta capable commencer à revivre en dans pays d'Haïti. Qui donc déjà là, situation li vraiment compliqué pour moun sa yo qui obligé retourner dans pays ya alors que yo te obligé fuir. Gnado qui passe yon mois, deux mois ap marcher embaragé, ap mouye en bas la pli, pas manger bien et dépenser yon quantité de l'argent yon manière pour te ka atterri sur la terre promise pour tout haïtien puisque les États-Unis ou doit être tendé wa en France ou en République Dominicaine ou en n'importe pays qui dans monde là. De pour parler États-Unis, yo pa prelo diaspora puisque c'est États-Unis lui-même qui actuellement là la terre promise. Assassinat président République Jovenel Moïse, et bien Joseph Félix Badio, yon suspect numéro 1 assassinat si là, et bien Digicel lui-même li ta mette à disponibilité la police nationale d'Haïti 4 numéros de téléphone que Joseph Félix Badio lui-même li te utilisé pendant que yo ta planifié assassinat président République là Jovenel Moïse. Et selon DCPJ, Joseph Félix Badio passé environ 300 appels nan jou 7 juillet 2021. Qui est appel ça yo même yo te rive joine kounya se pral la police nationale d'Haïti qui a gagné pour le travail sur un tel dossier pour découvrir est-ce que oui ou non gen des moun que nous cité dans dossier assassinat si là. Et bien Joseph Félix Badio lui-même il était en constante conversation ensemble avec yo tant que premier ministre d'Haïti a Ariel Henry que la primature lui-même il fait connait que il pas songé exactement qui quantité d'appel que Ariel Henry te recevoir dans jour ça parce que gen pile moun qui t'a pas inquiété pour sécurité premier ministre qui t'est fait nommer soit 2 jours avant assassinat ancien président république là. Rassemblement des journalistes pour la démocratie RJD et bien yo campé en quoi comme quoi ancien ministre Rockefeller Vincent ak ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince Claude Bedford a recevoir des menaces de mort immédiatement après que Ariel Henry lui-même li té meté moun sa yo sous la touche et yo arrivé accusé Ariel Henry comme quoi c'est lui-même qui commençait proférer menaces à yo envers ancien ministre justice là avec ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince là. Alors que selon maître André Michel jovenelisme Jean y a planifié là Jean y a prélé là et bien il parle l'autre que une association de malfaiteurs qui l'a pu défendre corrupteur qui l'a pu défendre contrebandier qui l'a pu défendre voleur mais surtout qui l'a pour organiser des massacres yon manière pour ka continuer pérenner sa ancien président républicain lui-même li kon fè qui s'est assassiné moun selon maître André Michel qui donc la situation est vraiment compliquée. Nan bon là nous gagne expulsion sommaire ça que les États-Unis lui-même li a fait ensemble avec Haïtien nou et puis nan l'autre bord nous gagne dossier assassinat Jovenel Moïse là qui poko vraiment capable avancer puisque jusqu'à présent c'est deux moun que juge Gary Aurélien lui-même li t'est arrivé tendez nan dossier si là.
Il y a plus passé 1,5 million de dollars américains qui disponible là, de manière pour aider 18 000 timoun qui étaient touchés dans le tremblement de terre 14 d'août 2021 pour être capable de retourner à l'école normalement. Nous songeons que 14 août 2021, il y a un tremblement de terre qui était passé dans la zone Grand Sud, qui était écrasé la plupart des maisons et la plupart des écoles dans cette zone. Alors que 4 octobre qui a venu là l'école a prouvé pour Grand Sud là, et bien pour qu'on ait pièce gros changement qui fait dans zone si là. Qui donc situation lui-même, il continue à plonger dans le noir. Nous pas oublier que 400 Marozo ensemble avec la police nationale d'Haïti, gè un gros match que a joué là, un match qui pas gagne habite et que personne pas connaît qui est-ce qui a arrivé gagner match si là. Depuis samedi qui s'est passé là, et bien 400 Marozo lui-même, il rentre dans un affrontement ensemble avec la police côté 400 Marozo bon côté parle perdu au moins 2 soldats et que dans quand la police nationale d'Haïti a eh bien gagné environ un policier qui était arrivé touché par cartouche. Actuellement là Kouadé Bouke lui-même il séquestré par 400 Marozo qui fait qu'on est pas gagne monde qui a sorti et pas gagne monde qui a rentré et si toutefois ou a sorti ou bien ou a rentré il a metté contrôle sur vous puisque c'est eux même qui a dirigé zone là actuellement là. Tout hier après-midi, il y a une quantité de cartouches et bien qui a tiré dans la zone Kouadé Bouke entre la police nationale d'Haïti ensemble avec base 400 Marozo. Qui donc nous avons dans qui état que l'insécurité a lui-même lui continue à faire chimel. Dernière information, les États-Unis lui-même lui fait qu'on est à partir de mois novembre qui a venu là, tout étranger qui a gagné pour rentrer sous sol États-Unis a présenté carte de vaccination complète yo manière là pour pas continuer contracter COVID-19. Et dans le moment, coronavirus a fait un pile actualité encore une autre fois. Et dans le moment, si là, je tout, yo choisi expulser tout haïtien sa yo en masse. C'est toute information sa yo que nous déportez pour aujourd'hui. Merci d'être son ami fidèle TAC Info Plus. Merci d'être continué à encourager nous pendant wap like, commenter et surtout wap aider nous partager. Nous m'en rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis. Bye bye.